Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cristaux. C'est l'opening numéro 89 et elle est un peu spéciale parce que déjà Mercos est en compagnie, enfin en notre compagnie. Salut Mercos. Salut Léo, salut tout le monde. Dans cet opening, en plus d'avoir Mercos avec nous, on l'aura également pour la vidéo d'après, parce que je tournerai les deux à la suite. Comme vous avez pu pouvoir le voir, j'ai mes deux cristaux 4 étoiles ensemble. Mais du coup, le contenu va être assez différent, parce que dans cette vidéo, il y aura un seul cristal 4 étoiles, et il y aura les 5 cristaux de Blade que j'ai pris dans l'offre. Je voulais pas la prendre, mais la tentation était trop grande de ne pas jouer. Imaginons si j'ai le 3 étoiles ou même le 4 étoiles, bah ça me fait du versus à faire en moins. Et enfin, voilà, la tentation était trop grande. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, c'est pas non plus une offre super, super chère. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, voilà, fais-toi un petit plaisir. Et du coup, dans la deuxième opening que vous aurez dans 2 jours, du coup, il y aura tout le reste, donc des cristaux 3 étoiles, un cristal 4 étoiles, et vraiment tout ce que j'ouvre d'habitude. Mais là, c'est une opening un petit peu spéciale. Mince. Par contre, du coup, je voulais pas aller dans le chat. Donc, on va commencer par le cristal 4 étoiles. C'est assez spécial, mais on va ouvrir d'abord le cristal 4 étoiles. Allez, c'est parti. 89e cristal 4 étoiles. Donc, on était sur une lancée de perso qu'on a déjà au max. Mais si on pouvait... Ah non, du coup, c'est la 90, je crois. Ah oui, je viens de voir, je me suis trompé. C'est la 90, du coup. Ouais, c'est l'opening 90. Donc on n'est pas loin de la centième, hein. Pour la centième, je vous réserve un truc énorme, mais voilà. Allez, 90e ouverture. Eh, pas mal! Pas mal. Bon, c'est pas un éveil, mais c'est pas mal. Il y avait Angela avant. Et du coup, petite Nebula, 4 étoiles. Donc elle passe de 5 à 25. Elle était déjà éveillée, mais je lui avais pas mis beaucoup de pierres. J'en avais mis que 4, plus la gemme d'éveil. Donc c'est bien. Elle passe à 25. Donc très bon double. Je suis très content. Surtout que c'est un héros que j'aime vraiment bien. Et en plus que j'ai en comment ça s'appelle? Que j'ai en R4. Donc forcément, c'est toujours bien de doubler un perso qu'on a en R4. Et du coup, on a les cristaux de Blade. Donc. Déjà avant cette vidéo, je sais que j'ai fait une erreur de la prendre cette offre. Mais voilà. Allez, c'est pour le fun. Pour le petit frisson. Donc on a vu Morningstar. On n'a pas vu Blade encore. Si, on vient de le voir. Allez, c'est parti. Premier cristal. Good luck, my friend. Et on commence par un Hawkeye 2 étoiles. Pas terrible. Le deuxième. Ah, on a vu un petit Mephisto en premier, comme ça. Petit Mephisto, Medusa, on voit aussi, on voit Spidey Stark. On voit beaucoup de features. Star-Lord 2 étoiles. Ça va faire du 5 2 étoiles, hein, c'est presque sûr. On le Ah, sait, j'en ai hein. peur. On le sait, hein, mais... L'impression que Mehdi prend toute la chance là-dedans. Ah Ça sert ouais, à rien. c'est ça. Allez, le troisième. Ah, il y avait Morningstar juste avant. Ah là là, c'est pas beau, hein. Oh bah il y avait Morningstar et Blade en tout premier. Et bah... Blade 3 étoiles. Et bah ça c'est bien. C'est bien. Morningstar 3 étoiles, ça aurait été un peu chiant parce que c'est celui qu'on a avec Insider. Mais le petit Blade, du coup, ça va me permettre d'éviter de faire le versus 3 étoiles. Et ça c'est très bien. Et ça va me permettre aussi de finir mon gain de niveau. Et ça c'est très bien également parce que je ne pouvais pas le finir. Ça c'est très bien également. Voilà, donc dernier cristal. Et Deadpool X-Force 2 étoiles. Bon, on a eu 4 2 étoiles, un Blade 3 étoiles, c'est assez faible comme tirage, mais bon, on a quand même eu Blade, c'est sympa. Du coup, je vais pouvoir un peu le tester et tout avant de vous faire la vidéo de présentation, ou peut-être que je vous ferai la vidéo de présentation avec le 3 étoiles pour qu'elle sorte avant, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, on va dire c'est un tirage mi-figue mi-raisin. On va dire. Nebula 4 étoiles, c'est pas mal. Le Blade 3 étoiles, c'est sympa. Parce qu'on a quand même eu
un des deux personnages qui sont à la une, bon, même si c'est pas en 4 étoiles, mais ça va me permettre de ne pas faire ce versus 3 étoiles, quoi, et ça, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Voilà, bah en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter pour me donner votre avis sur ce tirage. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle a dû sortir il y a quelques jours déjà, mais la vidéo du même type sur le compte de Mercos, donc avec l'offre des cristaux de Blade. Voilà, donc en espérant que qu'il ait eu plus de chance que moi. Voilà. J'espère, on verra bien. Ah ouais. Donc voilà, bah en tout cas, je vous souhaite un bon jeu, une bonne journée à tous et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos d'opening. Allez, salut. Ciao, bye bye tout le monde.